un faux téléphone comme ça. L'image est bizarre. Vous voyez comment l'image est, non? L'image est froissée, bizarre comme ça. Voilà. Donc, j'ai lancé le direct ici encore. Voilà le direct. Vous voyez le direct? Il est lancé ici. Voilà. Donc, quittez ce direct-là. Allez-y sur ma page. Il y a un deuxième direct là-bas. Allez-y là-bas. Aujourd'hui, on va mélanger la page en même temps. On est fatigué. On est bourrons. Quittez ce direct. Allez-y dans le direct où le téléphone est assis comme ça. Pas couché. Allez-y. Trois personnes. OK. Quittez ici et allez-y. C'est-à-dire, tu sors du direct. Tu réactualises la page. Tu vas avoir deux directs. 6 personnes, 15 personnes. Faut vider ici, là. Vider ici et puis venez ici. On va faire le direct. Voilà. 28, 30, 31 personnes. Mais vous êtes toujours au même nombre ici. Faut quitter le direct. Venez ici. 47 personnes. Si on atteint les 200 ici, on commence et puis on coupe ici. Voilà. OK. Voilà. On est là. OK. Voilà. Si tu es là, faut dire on est là. Comme ça, il sait que tu es quitté ici. Comme ça, je vais voir si vous recevez les deux directs. Je vais couper ce direct pour continuer ici. On va de faire les deux à la fois. Lui qui est ici, il est ici. Lui qui est ici, il est ici. Achille, tu es salué, mon frère. Merci d'être mon top fan. Voilà. Tous mes top fans, vous êtes salués. Je vois plein de top fans dans mes trucs maintenant. Voilà, 100 et quelques. OK. Mais vous êtes toujours le même nombre. Quittez ici, là. Ah, on dirait que pendant que les gens quittent, il y a d'autres qui viennent. Bon, je vais faire le direct comme ça. Mais ça s'entrecoupe ici. Hein, donc, venez ici. C'est ici qu'il faut venir. 131 personnes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers camarades. Je vais continuer mes critiques. Je disais que le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir dirigé par M. Alassane Ouattara, qui ne veut pas qu'on l'appelle Ado et on l'appelle Draman, Monsieur Alassane Ouattara a un budget de souveraineté de 342 milliards par an. On ne peut pas être méchant comme ça. C'est local. Vous pensez que Fayela n'a pas 100 millions? RDR, vous pensez vraiment que Fayela, vous qui êtes ici là, quittez ce direct là, venez dans l'autre direct sur la même page. Il y a deux directs. Quittez le direct où je suis comme ça là. Venez, allez-y dans le direct où le téléphone est arrêté. OK? Quittez le direct où le téléphone est couché. S'il vous plaît. Vous voyez ici, ça s'entrecoupe. Bon, depuis que j'ai lancé le deuxième direct, ça ne s'entrecoupe plus. Voilà. Donc, je vais faire sur les deux directs. Sur les deux choses. Voilà, il y a 325 ici, 138 ici. Bon, on va faire comme ça. Lui qui est. Si tu es ici, tu restes. Si tu es là-bas, tu restes. On va faire comme ça. C'est pas grave. Ça a divisé mes viewers. Mes vues. Mais c'est pas grave. Ça a départagé mes vues. Chers camarades. Aurier là. Et il dit Aurier maintenant, pardon. Fayé, là, vous pensez qu'il n'a pas 100 millions? Avant de venir entraîner, là, vous pensez qu'il n'a pas 100 millions? Peut-être que tu as fouillé dans son fin fond, là, il n'est pas content. Mais si vous lui donnez 100 millions, vous allez donner combien aux joueurs? Et les Ivoiriens qui ont acheté les t-shirts 60 000, là, vous les donnez combien? Vous avez promis 1 milliard par jour à la jeunesse. Vous n'arrivez même pas à donner bon jet à Fayé qui vous a donné coupe. C'est à la jeunesse que vous allez donner 1 milliard par jour. C'est la preuve que vous êtes des menteurs, des voleurs. C'est la preuve. Moi, je pensais même que peut-être même un petit brin de 500 millions, au moins ça fait demi-milliard. Au moins, on peut dire que ça pèse un peu. Il peut acheter deux maisons avec ça. Puisque actuellement, là, tous les terrains, c'est pour vous. Vous augmentez tout en Côte d'Ivoire. Pour construire une maison, il faut être multimillionnaire. On ne peut plus construire une maison à 10 millions. Ça, c'est plus, c'est fini, ça. Donc, moi-même, quand j'ai vu qu'on dit Draman les a reçus à la présidence, j'ai dit, mais la vie du monsieur a changé. J'étais content pour lui. Je me suis dit, la vie du monsieur a changé. Et puis, je vis un peu, on me dit qu'on lui donne 100 millions. 100 millions, c'est quoi? 100 millions, c'est quoi? C'est 200 000 dollars. C'est 150, quelques 100 000 euros. Ah, c'est coupé ici encore. Je vous ai dit, venez ici, vous êtes têtu. Restez là-bas. Ici, ça s'entrecoupe. Il faut venir dans ce direct-ci. S'il vous plaît, quittez ici. Mais vous êtes toujours nombreux ici, là. Ici, on est 200 sur ce deuxième, la même page. On est 200. Vous êtes toujours, combien même? 354. Ça ne diminue pas. Je ne comprends pas. Ça se coupe ici. Venez dans ce direct-là où il y a 200 personnes, là. 204, chers camarades. Voilà! Alassane Ouattara, il a plus de 1000 milliards. Maman, il dit 1000 milliards, même, c'est très peu, même. Il ne peut pas prendre 1 milliard pour donner au monsieur, là. Même si on dit,
Et puis ce qui m'a encore choqué, vous ne partagez pas la vidéo, chers camarades. Faut partager la vidéo. Faut partager la vidéo, là. Faut la partager, chers camarades. C'est le patriote quand même. On peut pas dire qu'on... Ils sont qui et puis on ne les critique pas. Mettez les cœurs et partagez, chers camarades. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis dans deux directs. Yeah. 352, 229, ça fait 500 personnes en ligne. Quand c'est comme ça, mais c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Je continue quand même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de couper les deux, les un direct. J'ai laissé les deux comme ça. On est presque à 400 ici. 385. Drama Ouattara. Alassane Draman Ouattara, il a un budget de souveraineté de 342 milliards, si je ne me trompe pas. En tout cas, je suis sûr que ça dépasse 300 milliards par an. Ce qu'il voudrait dire, lui, là, à peu près par jour, il a 1 milliard, c'est-à-dire 1000 millions. On ne peut pas être méchant comme ça. Draman Ouattara, il a à peu près 1000 millions. 1000 millions par jour. C'est ça qu'on lui donne dans la caisse de l'État. Le drap a pété sur Mediapart. Parce qu'eux, ils ne disent pas les salaires. C'est Gbagbo Laurent qui a dit son salaire. Et le salaire de ses ministres. Ceux-là, on ne sait même pas les ministres sont payés en combien. Peut-être qu'ils sont payés à 40 millions par mois, 50 millions par mois, on ne sait pas. Si Draman lui-même, il a 1000 milliards par jour. Mais c'est que les ministres, peut-être qu'ils ont des salaires même que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Malgré ça, ils continuent de voler. Dans même février où on est là. Le ministère de la Construction, 100 milliards ont disparu entre trois personnes. 100 milliards. Et c'est failli vous donner 100 millions. Pendant que 1000 milliards, 1000 milliards, 1000 milliards multipliés par 100, cela a disparu. Eux, ils ne parlent même pas de ça. Le ministère de la Construction, j'ai donné ici les noms de trois personnes qui sont épinglées. Les dramas n'en parlent pas. 100 milliards, le ministère de la Construction. L'agent de quoi là même, l'endu quoi même là, comment on appelle ça même, y a pas envie de faire trop de recherches. Y a truc là, ACD ou même quoi là, ADCI. Quand tu veux construire là, y a quelque chose que tu t'en payes là. ACD, les ACD. Les Ivoiriens payent les ACD pour leur maison. L'un de ça là, que les Ivoiriens cotisent là, il y a trois individus qui ont mis fait dedans. Dans Cannes là, nous tous on a fait vidéo dessus. Mais la Cannes là était tellement mouvementée que c'est passé inaperçu. Les trois là, ils ont volé 100 milliards. C'est-à-dire 1000 millions multipliés par 100. C'est failli vous donner 100 millions. Pendant que les gens ont volé 100 milliards. L'entreprise de Big Toro, ils ont vendu nos passeports André des petits pains. À hauteur de 120 000 passeports. Et un passeport coûte 40 000. Il faut calculer. Ta calculatrice va se gâter. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Parce qu'il n'a pas fait rébellion, mais c'est comment? Ou même parce qu'il s'appelle Fayé. Vous volez l'argent, mais volez aussi, puis donnez lui aussi, il va manger. Volez aussi, et puis donnez au Fayé, il va manger. C'est 100 millions, 100 millions, ça fait quoi? Si le parti Grey est dossier Yao, et puis la Grey, Emmanuel Keïta, là, elle est finie. Parce que c'est maintenant, là, les filles, là, elles sont devenues les Camerounaises, elles vendent piment. Les gens, quand ils ont un peu, c'est les femmes qui n'ont jamais touché, c'est là-bas qu'ils vont toucher. Au lieu de s'aimer dans son avenir. Hein. Donc vous voyez, vous n'avez rien donné au monsieur. 100 milliards, ça ne peut même pas tenir le monsieur pendant 2 ans. Même s'il est encore d'Ivoire, ça peut pas, il ne peut pas tenir pendant 2 ans. Parce que le stade qu'il a atteint, là, il ne peut pas aller vivre à Bramakouté, je suis désolé, ou à Mossikro. Il est obligé, s'il veut vivre, je ne sais pas où il vit, hein, je ne connais même pas sa vie. Mais s'il veut vivre à Abidjan, il est obligé d'être à Cocody. Parce que les Ivoiriens, il y a beaucoup qui sont jaloux, beaucoup sont maudits, beaucoup sont mauvais. Ils vont les piquer pour rien. Ah, tu n'as rien fait à quelqu'un. Quand les gens viennent ici, puis ils découvrent que tu n'es pas en Côte d'Ivoire, que tu es derrière l'eau, ils sont fâchés. Tu parles d'un sujet et ils parlent des États-Unis. Tu penses que les États-Unis, là, c'est paradis. Tu penses que les États-Unis, là, c'est la réussite. Tu penses que les États-Unis, là, c'est comme ça. Mais on parle ici de politique. Toi, tu parles de pays. Qui t'a parlé de pays? États-Unis, là, c'est pas paradis. Puis, Draman Ouattara, il est venu faire ses études. Pourquoi il n'a pas fait ses études à haute volta? Vous n'avez pas dit qu'il est docteur? Qu'il est économiste? Il a fait économie là où ça? États-Unis, que vous dites que c'est pas paradis. Puis, toujours, vous prenez ça pour nous narguer là.
comme si être aux États-Unis c'est une malédiction. Votre jalousie va vous tuer là. Votre Draman Ouattara là, le voltaïque là, il a fait ses études où? C'est pas en Pennsylvanie, c'est en Virginie ici, il a fait ses études. Donc 100 millions là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Moi je trouve que c'est être méchant. Même si l'argent même si l'argent est fini dans votre compte, mais vous pouvez cotiser. Vous pouvez cotiser un peu. Un gouvernement qui a 300 ministres, 800 ministres, tellement vous êtes nombreux. Vous ne pouvez pas cotiser 10 millions pour donner 500 millions aux vieux. Ou peut-être 1 milliard. Le DG de fer, il a moment l'argent. Entreprise de Big Togo, ils ont moment l'argent. Construction, ils ont moment l'argent. Toujours vous commencez l'argent des Ivoiriens. Vous volez l'argent des Ivoiriens. Il faut voler aussi pour donner à Fayet. Bon, le monsieur là qui a remplacé, le monsieur que Fayet a remplacé là, il était payé à combien? Je vais taper sur Goulou, il a oublié. Il est presque payé à 100 millions par mois. Regardez comment ils sont mauvais. Hein. Le monsieur pour gratter là, il était presque, on dirait c'était 70 millions par mois. C'est comme ça on le payait. Depuis, il dit, il est entraîneur là. Il était bailli. Il est tellement bailli, vous avez pris 4 à 0, vous l'avez changé. Si l'autre est venu, que son étoile brille et qu'il vous a donné coupe, c'est 100 millions que vous allez lui donner. Pendant que pour gratter, vous lui donniez 70 millions par mois. Vous trouvez ça normal? Pour gratter, depuis on dit il est entraîneur, on n'était même pas encore dans la Coupe d'Afrique, vous donnez tout cet argent à ce monsieur-là. Je vais taper sur Goulou pour être sûr. Parce que je crois que ça, quelque chose me dit que c'est 70 millions. Comment il s'appelle même? Je ne connais même pas son nom. Entraîneur de Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle même? Je ne connais même pas son nom. 2022. Il y a 2022. Parce que c'est lui qui était là. Voilà, le voici. J'ai mes salaires. Voilà. Il est sorti. Son image est sortie. Il y a mes salaires. Voilà. Voilà ça. Kwasi.com. Le salaire mensuel de Jean-Louis Gasset est de 70 millions de francs CFA par mois. Le monsieur Bailly là, pour Grotto là, vous lui donniez 70 millions. Mais entre 70 et puis 100 millions, il y a quelle différence? On vous parle de Coupe d'Afrique. L'entraîneur vous a donné Coupe d'Afrique. Et puis vous lui donnez 100 millions. Même Apoutchou peut donner 100 millions à quelqu'un. Même Makosso le marmailleur, il peut se sacrer pour donner 100 millions à quelqu'un. 100 millions aujourd'hui, là, c'est plus rien. On n'est pas en 1982. Hein. On n'est pas en 90 où Draman venait d'arriver. Là, 100 millions, c'était beaucoup de dieux. Mais actuellement, là, 100 millions, c'est rien. Quelqu'un me dit, la maison, 100 millions, ça ne peut même pas... Ça dit, si tu me dis que tu as 100 millions, peut-être que tu as l'argent que moi, peut-être que je n'ai pas ça. Mais ça ne peut pas me... Ça ne peut pas me faire... Comment on dit, quel est le français, je vais utiliser la même. Ça ne peut pas me choquer. Ça ne peut pas m'impressionner. 100 millions de francs. Mais ça n'impressionne plus quelqu'un. Ça n'impressionne plus quelqu'un. 100 millions, ce n'est pas l'argent. Et on vous parle, vous avez pris la Coupe des Nations d'Afrique. Ou bien la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant que le monsieur, dès qu'il est venu, toutes les portes ont commencé à s'ouvrir. Peut-être que naturellement, il a la grâce de Dieu sur lui. Quand il est venu, ouh, vous avez gagné. Le Maroc a gagné. Vous êtes réqualifié. Vous êtes revenu dans la course. Après encore, vous avez frappé ici. Et puis vous avez frappé, vous avez pris la coupe. Même dans le couple, là, c'était chaud. Il y avait 1-0 contre vous. Mais Keteli. Moi, je n'ai regardé aucun match. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas dans ces bêtises-là. Je suis désolé de le dire. Quand qui est passé là, Chrétien ne joue pas, hein. Mais je vous dis, si j'ai regardé là, que Dieu ne me donne pas ce que je désire dans ma vie. Si j'ai regardé un seul match, c'est-à-dire match, et puis ici, assis, et puis je regarde. C'est pas possible. Même pour dire 2 minutes de la CAN, moi, je n'ai pas regardé. Je n'ai même pas regardé 2 minutes. Je mets sur Google, je mets CAN, et puis on met les résultats en direct. Et puis on dit ongoing. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer. Quand je vois, il continue. Ça prend seulement 10 secondes. Je vois, on dit Côte d'Ivoire 3, tant. Oh, je continue. Moi, je n'ai pas regardé CAN de Draman. Naturellement, je n'aime pas ballon. Et puis, il a fait que CAN de Draman. Draman Ouattara, il a fait que sa CAN. Donc, Jean-Louis Gosset,
vous lui donniez 70 millions comme salaire. Et puis ces 100 millions, vous donnez au monsieur qui vous a donné la coupe. Pendant que vous êtes des gros voleurs au RDR. Quand il s'agit de RDR, il n'y a pas millions. Tout est milliards. RDR, tout se compte par milliards, 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 milliards. Mais quand c'est les autres, on parle de millions. Puis petits millions comme ça. Vous devriez donner au moins 500 millions à Fayé. Au moins. Comme ça fait demi-milliard. C'était un peu mieux. Moi, je crois que c'était mieux. Demi-milliard, je crois que c'était mieux. Je crois que c'était un peu... c'est comme vous avez lavé sa gorge. Demi-milliard, je considère que vous avez lavé sa gorge. Mais vraiment, 100 millions, c'est comme une injure. C'est pas noir, vrai. C'est pas noir, vrai. Vous êtes tous des milliardaires. Dans votre gouvernement, là, il y a quelqu'un qui est millionnaire. Même Adjumani, il est milliardaire. Dans votre gouvernement, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est millionnaire? Il n'y en a pas. Vous êtes tous des multimilliardaires. Vous tous. Vous êtes tous des multimilliardaires. Il n'y a pas un qui est millionnaire. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas vous faire tout pour donner 1 milliard au monsieur. Mais vous lui donnez 100 millions. C'est la preuve que vous êtes méchant. Peut-être que si c'était un Ouattara, si c'était un Draman, s'il avait un nom à connotation musulmane, là, peut-être que vous alliez lui donner 800 millions. Oui, oui, je crois que c'est ça. C'est son nom qui l'a trahi. Ou peut-être son appartenance religieuse. C'est ça qui l'a trahi. C'est ça qui a fait que vous avez diminué la somme. Allez-y sur la page de la présidence. Draman Ouattara est arrêté avec l'autre là. Comment il s'appelle? Le gars là. Comment il s'appelle même? Le gars qui dit qu'il n'est pas venu pour prendre Cannes là. Le gars qui dit qu'il n'est pas venu pour prendre Cannes là. Draman Ouattara a posté sur sa page Alassane Ouattara. Il a pris photo avec lui. Ils sont en train de sourire. Mais quelqu'un qui a dit, pendant que vous étiez en train de tomber, vous avez pris 4-0. Il dit, lui, il n'a pas été nommé pour vous donner Cannes. Mais c'est avec lui, il a pris photo. Allez-y sur la présidente de la République. Je vais vous montrer la photo même. Je vais vous montrer la photo. Draman Ouattara a posté. Draman Ouattara a posté. Ils ont tellement de pages aussi. On ne sait plus c'est quelle page qui est la vraie page. Et puis c'est quel logo vous faites en blanc comme ça là même. Des gens qui ont des cœurs noirs, qui font des logos en blanc. Notre logo n'est pas comme ça. Hein. La Côte d'Ivoire, il y a toujours orange, blanc, vert dedans. Vous faites un truc blanc comme ça, vous mettez sur la page de la République. Heureusement que c'est votre Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire de mes parents. C'est quel logo? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent tellement tout changer. Ils ont changé le logo de la RTI. Ils ont changé tout. Ils ont cassé tous nos monuments. Maintenant, ils veulent même changer même le logo même de Côte d'Ivoire. Ils ont fait un truc blanc. Tu as déjà vu sur une page de la République, de la République d'un pays, le logo est en blanc noir. Moi, je n'ai jamais vu ça. Faut taper n'importe quel pays. Faut taper Bénin, Burkina, Mali, Élysée. Faut taper tout ce que tu veux. Les logos portent toujours les couleurs du drapeau du pays. Mais voilà notre président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est certifié. Hein? Présidence de la République de Côte d'Ivoire, certifié. Regardez, le logo, il est en blanc noir. On ne sait même pas à quoi ça répond. Et puis, regardez comment ils ont écrit. Notre truc, c'est pas comme ça. Président de la République, ça est dans l'emblème. Ça est dans l'emblème, là. C'est pas entouré comme ça, André, je sais pas. Vous voulez tellement tout changer. Vous ne voulez même pas voir les traces des autres. Ils ont changé le logo de la RTI. Mais quand on va venir, on a tout changé aussi. Nous aussi, on ne veut pas voir vos traces. Voilà, on changeait le nom ici. Kof, Mbempe, Ado, Mbempe. Ce n'est pas les Chinois qui ont donné ça à la Côte d'Ivoire. C'est Ado qui a construit le stade, ça là. Faut chercher son histoire, Mbempe là. C'est Alassane Draman qui a donné son land et puis il a construit. C'est son land qui a construit. C'est les Chinois qui ont fait ça à la Côte d'Ivoire. Puis c'est crédit encore pour mettre dessus. Voilà quelqu'un, il se dit qu'il est oufouettiste, ouverture de la CAN que lui il a organisé. On n'a même pas attendu du début jusqu'à la fin. On n'a même pas attendu le nom de Oufoué. Quelqu'un qui t'a fait venir de ton bouc, de ton voltaïque lointain. On n'a même pas entendu Oufoué. On n'a même pas vu une petite image d'Oufoué, même son orteil, dans toute la coupe. Jusqu'à ils ont pris la coupe. Même pendant
qu'ils ont pris la coupe là, il a reçu les éléphants là. Il n'a même pas rendu hommage au premier président de la République de Côte d'Ivoire. Celui-là même qui l'a fait venir. Mais il dit les oufouettistes. Il se faut appeler RHDP. Vous avez trompé les gens pour prendre le pouvoir par les armes. Regardez, voilà Draman Ouattara ici. Regardez, lui et puis son gars, ils sont contents. Vas-y. Vous voyez? C'est Idriss, hein? Le même Idriss Diallo là. Nous les Ivoiriens, on dit local à Névé. On ne peut même pas zoomer photo là même. Ah ok. Là voici. Vous voyez? Lui et puis Idriss. Voilà. C'est, voilà, voilà ça. Le pouvoir de Draman Ouattara priorise les personnes à connotation étrangère. Vous voyez? Imaginez-vous que c'était Idriss qui était l'entraîneur. Et puis ils ont pris la coupe. C'est 100 millions, ils vont donner à Idriss. Il va donner 100 millions à Idriss. Je ne pense pas. Si c'est rien, c'était 500 millions, 800 millions ou 1 milliard. À la rigueur. À la rigueur. Mais le voici. Voilà, ils ont décoré. Lui aussi, il a porté sa médaille. Ils sont là. Ils sont en train de jouir de la vie. Ils sont en train de jouir de la vie. Voilà. Ils sont en train de jouir de la vie. Vous êtes méchants, le RDR. 100 millions là, à la rigueur même, c'est ce que vous devriez donner même peut-être aux joueurs. Même pour les joueurs, je trouve que c'est trop peu. Mais à la rigueur, les joueurs, vous pouvez leur donner 300 millions, 300 millions, 300 millions, 300 millions. Et puis maintenant, l'entraîneur, vous lui donnez 500 millions. Ce qui va faire à peu près 3 milliards ou 2 milliards brin-brin. Vous qui êtes tous des multimilliardaires. Quand l'argent disparaît dans la caisse de l'État, on n'a jamais entendu 1 milliard a disparu ou bien 2 milliards. Quand on entend, minimum c'est 100 millions. Avec eux, c'est 100 milliards, pardon. Avec eux, c'est comme ça. Minimum, 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 minimum. Quand l'argent disparaît là, ça commence par 100 millions. 100 milliards. C'est-à-dire 1000 millions multipliés par 100. 1000 millions multipliés par 100. C'est comme ça qu'eux, ils volent toujours. Quand ils prennent crédit, minimum c'est 100 milliards. Vous avez vu là, ce gars-là. Ce gars-là. On dit gouverneur de quoi là? L'ancien gouverneur là, lui là. Dès qu'il a pris le commande, lui là. Dès qu'il a pris le commande, il a pris 145 milliards de crédits. FMI. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec ça. On sait, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec l'argent là. Vous avez raison en tout cas. Vous avez raison. C'est nous, on a joué à un pouvoir là-haut. C'est nous, on a joué à un pouvoir là. Wallahi. Draman, il est fort. Et puis, je me l'ai précisé avant de terminer. Je vais faire des précisions avant de passer. C'était juste une petite vidéo. Hein. On est presque à 30 minutes. Je vais terminer rapidement. J'ai fait ma vidéo quand je faisais le truc. Je disais Draman est fort, Draman est fort. J'ai vu plein de personnes qui m'ont envoyé beaucoup de mails. Beaucoup m'ont envoyé des mails et même des messages pour ceux qui avaient mon WhatsApp avant. Oh, on dirait que tu veux abandonner la lutte. Tu commences à faire l'apologie de Draman. Faut pas faire ça. Je ne pensais pas que tu pouvais nous abandonner. Mais vous-même qui venez me dire là, qui venez me dire que je vais vous abandonner, que je vais laisser la lutte là. Mais lutte là, il faut faire. Ou bien tu es un perroquet. Tu es criquet. Ou tu es souris. Tu es gomme. Ou bien tu es stylo. Je ne sais pas. Tu es un être humain comme moi, non? C'est que tu prends puis tu m'envoies un mail là. C'est un téléphone, il n'y a pas caméra dessus. Ou bien tu as les vieux téléphones qu'on décroche comme ça pour parler là. Si tu vois que, parce que j'ai dit Draman est fort, si tu vois que j'abandonne la lutte, mais là où j'ai laissé là, c'est là que tu prends et puis tu évolues. Voilà. C'est là que tu prends et puis tu évolues. Pour faire lutte, là, on n'est pas obligé de partir à Abidjan pour prendre le récipicé. Tu te lèves un bon matin, tu crées ta part, tu mets ta caméra, tu bailles. Si tu es convaincant une fois, deux fois, tu vas avoir 10 abonnés, 20 abonnés, 100 abonnés, 200 abonnés, 1000 abonnés, 2000 abonnés, 5000, 10 000, et puis tu évolues. Et puis tu bailles. Sachant que ta vie est en danger, sachant que c'est risqué, et tu bailles, c'est ce qu'on fait. Vous pensez qu'on est parti à l'école pour faire vidéo? Il y a école pour devenir cyberactiviste, pour faire le combat de Côte d'Ivoire. Tu te lèves, tu parles. Mais vous êtes là, vous embrouillez les gens. Quand c'est pour venir faire des reproches, là vous êtes pressés. Mais quand c'est pour venir encourager, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Dans le mois même, je peux avoir même zéro personne qui vienne pour dire vraiment, mon frère, j'ai écouté telle chose, vraiment, je vois que tu fais un bon travail. Félicitations. Je ne demande même pas votre argent même. Regardez, depuis que je parle, il y a zéro étoile. Mais on parle d'argent, hein, mais il y a zéro étoile dans les deux directs. Sur la même page, je suis deux fois en direct, mais j'ai zéro étoile.
Mais ce n'est pas deux personnes en ligne, c'est des centaines de personnes qui me suivent quand on met les deux ensemble. Donc, ce n'est pas l'argent qu'on demande. Combien d'Ivoiriens vivant ici aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, à Abidjan, partout, combien d'Ivoiriens qui viennent dans nos inbox pour dire « Ah, je viens te féliciter, je viens te dire merci pour le combat que tu mènes, vraiment Yako, pour les menaces, tatatata. » Personne. Quand vous finissez vos boulots, vous venez, c'est sur nos vidéos, vous venez vous masturber. Quand tu as fini tes grades à ta femme à être avec ton éjaculation précoce là, quand madame est triste là, tu cours, tu prends ton téléphone pour venir me regarder. Tu vis ta vie et puis c'est nous, on vient vous distraire. On est devenu votre je sais pas, passe-temps. On vous fait économiser dans l'affaire de Netflix. Parce qu'il y a des gens, quand il va regarder Herman le Patriote, il va regarder Hervé Djedje, il va regarder, je ne sais pas qui encore, Kone Souleymane. Après, ça dit, il a fait au moins 4 heures comme ça. Il est fatigué, il s'est endormi comme un crapaud. Nous, on devient votre passe-temps. Pendant que nos vies sont en danger, on est traqué, on ne peut pas rentrer dans notre pays. Même dans le groupe ici, le groupe du bureau. Chaque une semaine, mais chaque deux semaines, les gens font des annonces là-bas. Ah, il y a telle personne qui rentre à Abidjan définitivement, on n'a qu'à faire cotisation. Ah, il y a telle personne qui rentre à Abidjan définitivement. Donc les gens rentrent parce qu'ils ne sont même pas connus. Ils ont des postes, hein? Des grands postes que nous, mais ils ne sont pas connus. Ils peuvent rentrer à Abidjan. C'est-à-dire, ils ont vécu jusqu'à... Maintenant, ils ont des vrais postes. Ils rentrent à Abidjan avec le poste. Quand ils voient, il est bien assis. Et puis nous, on met nos vies en danger là, c'est nous encore. Arrêtez ça. Si je veux être vendu là, je n'ai pas demandé votre avis. Voilà, si moi je veux vendre ma lutte là, c'est pas votre avis que je vais demander. Parce qu'avant de venir, je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un. Tu ne veux pas m'encourager tes critiques à la con là, faut garder ça pour toi et puis ta grand-mère. J'aimerais dire ça aux personnes qui me fatiguent en inbox. Parce que je suis mon propre patron. À part Babo Laurent, je suis mon propre patron. À part Babo Laurent, moi je suis mon propre patron. Faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Je dis ce que je pense, je dis ce que je veux, et puis je m'en fous de quoi que ce soit. Je fais mon combat comme je le sens. Combien de personnes qui viennent ici pour dire, ah bon, mon frère, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu... Le jour que l'homme zaille un peu net, vous venez... Brrr. Mais qui est déjà venu pour dire, mon frère, voilà mon poste, je suis tata au PPACI, j'aimerais te donner mon point de vue, voici. Tu es venu et puis t'es refusé. Tu es venu et puis t'es rejeté. Mais vous êtes là, vous regardez. Mais le jour maintenant, on frappe sur les nordistes. Après, c'est pour venir pour dire, non, oh, les camarades disent que tu parles trop des nordistes. Il faut arrêter de parler des nordistes. Là, les camarades disent, donc vous me regardez. Mais la rébellion, là, qui a fait la rébellion? C'est le nord qui a fait la rébellion. C'est le nord qui a fait la rébellion. Il y a une femme qui est partie dans une église ici à Texas. Elle a arrosé les gens dans l'église. Dès qu'ils ont, la police l'a tuée, hein, ils ont répliqué, elle est décédée. Mais son pays d'origine est sorti. Je sais pas si c'était Colombie ou même quoi, j'ai un peu oublié. Ils ont dit son pays d'origine. Quel que soit ce que tu es, là où tu es, le jour que tu fais une mauvaise chose là, c'est tes aïeux, on s'en prend pour venir coller sur toi. On ne dit pas qu'elle est américaine il y a longtemps, depuis même avant 2000, elle était déjà américaine ici. Mais dès qu'elle a fait mauvaise chose, son pays est sorti dedans en même temps. C'est-à-dire qu'on oublie même passeport qu'on lui a donné là. C'est son pays, on cite en même temps. Donc si les nordistes ont fait rébellion, que moi j'ai fait mes vidéos. Je dis les djoulas nous ont tués. Regardez tous les chefs de guerre. Donnez-moi les noms des chefs de guerre. Il y a combien de Baoulé, combien de Bété, combien d'Agni, combien d'Abé. Dans un pays de plus de 63 ethnies, c'est une seule ethnie qui nous a tués. C'est les nordistes qui nous ont tués. Quand on dit non, tu aimes attaquer une communauté. C'est moi qui les envoie de prendre les armes. Quand ils voulaient faire leur rébellion, ils sont partis au Burkina, là, ils ont demandé mon avis. Donc, je termine avec ça. Les gens qui viennent donner leurs trucs bizarres. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Tu ne veux pas me soutenir, tu la fermes. Maintenant, nous, ce sont comme Drama Ouattara. Tu es avec moi ou bien tu n'es pas avec moi. Et c'est sans pitié. Tu ne veux pas me soutenir, pardon. Tes conseils à la deux balles, il faut prendre ta main dans 20, c'est à tirer chaque dos. Vous m'emmerdez à la fin, là. N'importe quoi. La seule personne qui a partagé mon direct, c'est maman Odette Lourignon. Elle a fait une seule fois. C'est la seule officiellement qui a partagé. Je venais d'arriver sur le Meta. Je n'avais même pas encore 10 000 abonnés. J'avais framponné une vidéo. C'était sur qui même? On dirait que c'était sur Candia. J'ai framponné une vidéo. Lorsqu'elle a été, encore nommée sénatrice ou même quoi, chef des sénateurs de Côte d'Ivoire. Elle a partagé.
Depuis ce jour, peut-être qu'ils l'ont appelé pour dire, hey, il ne faut pas partager la vidéo de lui là. Elle n'a plus partagé mes vidéos jusqu'à aujourd'hui. Aucun officiel, personne ne nous soutient. Personne ne peut appeler quoi pour dire, ah, attends, je suis temps, ah, c'est moi, il a dit quel nom même. Bon, on va dire quoi? Ah, c'est moi, Damana Picasse, vraiment petit. Vraiment, merci pour le combat. Bon, sur ce point-là, si tu peux parler comme ça, c'est bon. Faut éviter de parler comme ça. Hein, faut parler comme ça. C'est comme ça, on fait. Mais vous n'encadrez pas les gens. Vous en foutez. Vous protégez vos enfants. Vous avez des grands garçons et il ne faut pas vidéo aussi. Moi, j'ai vu une photo ici, même ça m'a étonné. Moi, je ne croyais pas. Mais il y a des gros garçons, des grandes filles, des gros garçons, gaillards comme ça. Eux, il ne faut pas vidéo, ils protègent sa famille. Et puis, c'est les enfants des autres là, eux, ils viennent et puis ils sont djaouri. C'est les enfants des autres, ils viennent et puis ils sont djaouri. Pendant que nous, on fait le vrai combat, eux, c'est eux qui ont les grands postes. N'importe quoi. Vos conseils à la 2 balles là, gardez ça. Si tu es trop fâché, tu prends ta caméra, tu fais ta vidéo. Voilà, c'est lui qui est trop fâché au PPA, c'est où, mais il ne sait pas où là. Tu prends ta caméra, tu fais ta vidéo. Il y a une femme qui m'a appelé de France. Pourquoi je ne décroche pas. Moi, si on ne s'est jamais appelé, il ne faut pas m'appeler. C'est quel comportement ça? Si on ne s'est jamais appelé là, il ne faut pas m'appeler. Peut-être que je suis en train de grès. Je suis en train de draguer une fille. Je suis au cou. Et puis tu m'appelles. Et si j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence, ça a sonné dans la classe, tout le monde va me regarder. On n'appelle pas quelqu'un qu'on n'a jamais appelé. On envoie un message d'abord. Quand est-ce que tu as le temps? Quand est-ce qu'on peut s'appeler? Vous trouvez un temps pour s'appeler. On est dans un monde moderne. Elle m'appelle, je n'ai pas décroché. Elle m'envoie chose audio sur WhatsApp. Moi, je ne suis pas politique, hein, mais je vais être ton assistante, je vais être ta conseillère. Faut plus parler de Aputu National. Faut plus parler de Makoso. Moi, je parle de qui je veux. Tu n'es pas politique et puis tu veux conseiller un politique. C'est la sorcellerie ou quoi? Si tu n'es pas politique, ma soeur, va regarder rugby. Voilà. Faut regarder Nollywood. Faut nous laisser, on va se battre. Mais tu n'es pas politique, mais tu veux donner conseil à un politique. Mais tu n'es pas politique. Tu ne connais pas politique, tu ne parles pas politique. Tu as me donné quel conseil? En politique, ce qui se passe, comme le disait Blé Goudé, on s'attraque et on se contre-attaque. C'est ça la politique. C'est la critique. C'est ça la politique. Ils ont donné 100 millions à quelqu'un. Nous, on vient, on framponne par rapport à ce qu'on voit. Les gens qui volent des milliards et qui donnent 100 millions, on dit que c'est petit. Politiquement, on vient framponner. Et on profite, on dit le vrai nom du RDA. C'est ça la politique. C'est pas de caresser. On n'est pas à l'église. Chers camarades, que Dieu vous bénisse. À bientôt. En tout cas, vraiment, Yako à la Côte d'Ivoire. Hein? Yako à la Côte d'Ivoire. Et puis, Fayé, toi, tu as vu, il faut prendre tes 100 millions là, tu vas faire un peu. J'espère qu'ils vont lui donner 70 millions par mois aussi. Je l'espère bien, parce que c'est ce qu'ils donnaient au gars là. Voilà, au gars là. On lui donnait 70 millions par mois. Donc j'espère qu'ils vont donner 70 millions aussi au doyen Fayé par mois. Voilà, donc on attend maintenant le salaire de Fayé. Chers camarades, merci. Que Dieu bénisse tellement le patron. À bientôt.